Peu importe notre race, notre culture ou notre genre, nous connaissons tous le classique culte de Noël, Maman, j'ai raté l'avion. Avec l'adorable Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin McAllister, les inventions créatives et les scénarios aventureux de Kevin répandent la magie de Noël à chaque fois que décembre approche. Toutefois, l'acteur derrière le personnage, Macaulay Culkin, n'a pas eu une expérience aussi agréable que celle que son personnage à l'écran a eue durant l'absence de ses parents. Enfin, avant qu'il ne se rende compte à quel point il lui manquait. Devenir une star du jour au lendemain peut sembler être un rêve pour certains, mais pour Macaulay, c'était tout autre. En fait, il n'a jamais vraiment voulu ça. Dès son adolescence, le voyant de burn-out de Macaulay s'est allumé. Il était psychologiquement à bout, ce qui l'a conduit à l'une des chutes les plus déprimantes que l'on ait jamais vues à Hollywood. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Macaulay Culkin. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Macaulay a d'abord rencontré Michael Jackson, puis ensuite est venue la descente aux enfers. Il y a eu les drogues, les arrestations et tout un tas de complications au sein de l'industrie du divertissement. Bien qu'il ait fait partie de l'enfance de certains d'entre vous et qu'il soit attaché à l'esprit de Noël, comme celui de 1998 où votre tante a ruiné sa coiffure en jouant avec vos neveux et nièces, Macaulay Culkin n'a pas apprécié son parcours en tant qu'acteur célèbre à Hollywood. Et tout ça avec un seul rôle, si je puis dire, ce qui est pourtant le rêve de la plupart des acteurs et des actrices. Macaulay et ses 6 autres frères et sœurs sont les enfants de Christopher Keith Culkin et de Patricia Culkin, qui n'ont malheureusement pas pu offrir à leurs enfants les meilleures conditions de vie. Grandir dans la 94e rue Est de New York dans un logement délabré n'a pas été facile, loin de là. Leur appartement était aussi grand qu'un couloir, n'avait pas de porte de séparation, et pourtant cela n'a pas empêché Patricia et Keith d'avoir des bébés à gauche et à droite. Tous les enfants Culkin étaient destinés à devenir des acteurs et des actrices. En fait, il semble que Keith Culkin ne souhaitait avoir des enfants uniquement pour réaliser son rêve raté de devenir acteur. Macaulay n'était même pas le favori de la petite troupe car son père insistait pour que ses frères soient prioritaires. Ils étaient loin de se douter que le petit Macaulay serait leur ticket d'entrée pour les portes dorées d'Hollywood. À l'âge de 4 ans, Macaulay Culkin était sur la voie de la célébrité, apparaissant dans quelques films dans les années 80, décrochant des rôles dans des films comme Rocket Gibraltar et Uncle Buck. Pendant que Keith se contentait de vivre à travers eux par procuration, ses enfants décrochaient des projets d'envergure. L'apogée de sa carrière d'acteur remonte au milieu des années 1900. Dans les années 60, il était figurant dans la version de Broadway de West Side Story et de Hamlet. Après un incident gênant qui l'a en plus blessé, Keith s'est juré de ne plus jamais jouer la comédie. Mais qu'est-ce qui a bien pu le convaincre d'abandonner sa carrière cinématographique pour toujours? Eh bien, lors de son interprétation d'un personnage aveugle, Keith s'est un peu trop impliqué dans son rôle et est tombé directement dans le public. Bon, ça, c'est fait. Pour revenir à Macaulay, contrairement à ce que disait son père, c'était clairement lui le plus doué de la famille. Les directeurs de casting adorent ce petit garçon audacieux et très charismatique. Après son passage dans Uncle Buck, qui a rapporté plus de 60 millions de dollars, la famille de Macaulay a commencé à dépendre de lui sur le plan financier. Keith, de son côté, refuse toujours de voir le potentiel que tout le monde voit en Macaulay, mais tant qu'il ramène de l'argent, tout va bien. Et avant qu'il ne s'en rende compte, Macaulay obtiendra le rôle de sa vie et changera sa vie ainsi que celle de toute sa famille à partir de ce jour. Le réalisateur et scénariste John Hughes a eu l'idée de son film « Maman, j'ai raté l'avion » en écrivant une liste de choses qu'il ne voulait surtout pas oublier lors d'un voyage en Europe. Pour plaisanter, il a ajouté ses enfants à cette liste qui, sans qu'il le sache à l'époque, allait donner naissance à l'un des plus grands classiques de Noël de tous les temps. Hughes avait également travaillé sur le film Uncle Buck avec Macaulay et se disait que le petit Macaulay serait parfait pour incarner le rôle principal. Il a alors écrit le personnage de Kevin McAllister spécialement pour lui. Le film a rapporté environ 500 millions de dollars dans le monde entier et est devenu cette année-là le 3e film le plus rentable de tous les temps. Macaulay est ainsi devenu un acteur incontournable pratiquement du jour au lendemain, mais ce n'était pas de tout repos pour lui. Un travail reste un travail et c'est exactement ce que cela représentait pour lui. Il se rendait sur le plateau, répétait son texte et faisait tout ce qu'on lui demandait, encore et encore. Macaulay n'a d'ailleurs jamais pu choisir les films dans lesquels il préférait jouer car ses parents prenaient le contrôle de toutes ses décisions. Il n'a même jamais pu lire entièrement les scripts qu'on lui donnait.
Tout comme sa routine dans le film consistant à se lever, se brosser les dents et se laver le visage avec de l'après-rasage, travailler sur les plateaux de tournage est devenu une routine banale pour McCauley. Au bout d'un certain temps, il avait l'impression d'être devenu un robot, ce qui a provoqué des tensions entre lui et son père. Les Culkin n'étaient pas encore méga riches, même après que McCauley ait joué dans « Maman, j'ai raté l'avion ». En fait, il n'a gagné que 100 000 dollars pour son rôle dans ce film. Son père l'accompagnait souvent sur les plateaux de cinéma, car les lois encadrant le travail des enfants ne leur accordaient que 10 heures par jour de tournage. Comme McCauley voyageait d'un état à l'autre, Kit Culkin devait rester constamment à ses côtés. Il l'accompagnait donc partout, et pourtant McCauley n'était pas du tout proche de son père. En fait, son père ne l'a jamais aimé, alors imaginez être coincé dans une chambre d'hôtel toute la journée avec quelqu'un qui est censé vous aimer et se soucier de vous plus que tout, mais qui en réalité vous déteste. Kit Culkin était en plus très violent envers le petit McCauley, physiquement et psychologiquement. Il était carrément jaloux de son propre fils car il obtenait toute la gloire que lui n'avait jamais eue. En plus d'avoir son propre père biologique comme agent, la célébrité de la franchise du film « Maman, j'ai raté l'avion » prenait de l'ampleur. McCauley ne pouvait même plus marcher incognito dans la rue sans que des gens ne le reconnaissent et commencent à l'entourer. Personne autour de lui, pas même ses frères et sœurs, ne pouvait vraiment comprendre ce que McCauley ressentait à cette période de sa vie. Pourtant, il y avait une personne en particulier sur laquelle McCauley pouvait compter, avec qui il se sentait en sécurité à chaque fois qu'il se trouvait avec elle. Et cette personne n'était ni plus ni moins le roi de la pop, l'un des hommes les plus célèbres de notre planète. La relation entre McCauley Culkin et Michael Jackson n'est pas surprenante si l'on tient compte de leur enfance commune. Joe Jackson a littéralement mis les enfants Jackson au travail, propulsant le petit Michael au rang de plus grand artiste de l'histoire, et Kit Culkin a abusé du petit McCauley pour le propulser au rang d'enfant superstar. Tous deux ont grandi en étant terrifiés par leur père, et ils ont également tous deux passé leur enfance à travailler d'arrache-pied pour réaliser les rêves de leur père et pas nécessairement les leurs. Ils ont également été tous deux privés d'une éducation à l'abri des projecteurs. Et si l'on fait abstraction de l'énorme différence d'âge entre eux, l'amitié entre Michael et McCauley n'était pas si préoccupante que cela, mais je peux comprendre que d'autres puissent penser le contraire. Néanmoins, il est difficile de comprendre tout cela si vous n'avez pas vécu une enfance avec des expériences traumatisantes similaires. Car bien qu'ils soient littéralement les soutiens de leur famille, Joe et Kit s'en sont pris intentionnellement à Michael et McCauley, brisant leur estime de soi et les rabaissant dès qu'ils en avaient l'occasion. Lorsque le film « Maman, j'ai raté l'avion 2 » est sorti en 1992, McCauley était déjà considéré comme le plus grand enfant acteur d'Hollywood. Les 100 000 dollars de cachet du premier film n'étaient que de la petite monnaie comparée aux 4 millions qu'il allait recevoir en jouant dans la suite du film. À ce stade, il était l'enfant acteur le mieux payé d'Hollywood depuis Shirley Temple. Son père est considéré comme la 48e personne la plus puissante d'Hollywood, car pour entrer en contact avec McCauley, il fallait d'abord atteindre son père. Son film suivant, The Good Son, a moyennement bien marché pour un film non lié à l'univers de Maman, j'ai raté l'avion, récoltant environ 60 millions de dollars au box-office. Mais juste avant d'atteindre les années désastreuses de l'adolescence, McCauley n'était tout simplement pas prêt pour continuer cette routine infernale. Il voulait en sortir, mais son père n'était pas du même avis. Kit Culkin était méchant, vindicatif et narcissique, utilisant souvent son pouvoir et le fait qu'il était le père de McCauley pour contrôler son enfant. McCauley explique. À peine un film était terminé que je me retrouvais sur le plateau suivant, en train de faire la même chose, et je me suis dit qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour que tout ça prenne fin. Je gagnais Dieu sait combien d'argent, et Kit me faisait quand même dormir sur un canapé, juste pour que je sache que c'était lui qui commandait, et pour que je comprenne que s'il ne voulait pas que je dorme dans un lit, eh bien je ne dormirais pas dans un lit. Au moment où les films de McCauley sont sortis, il était évident que les gens se rappelaient surtout de lui dans le rôle de Kevin McAllister. Vers le milieu des années 90, c'en était trop, et McCauley fait ses adieux à la comédie pour de bon, au moins pour la décennie à venir. Il ne souhaitait plus être exploité par son père, et en avait assez de ne pas avoir son mot à dire sur quoi que ce soit dans sa vie. Au milieu d'une bataille pour la garde des enfants, McCauley et ses frères et sœurs voulaient désespérément aller avec leur mère, Patricia, mais son père s'y opposait. De peur que son père ne gagne, McCauley a décidé de retirer ses deux parents de son fonds fiduciaire pour qu'ils ne mettent pas la main sur ses millions. Mais en réalité, c'était pour que son père n'obtienne pas la garde. McCauley savait que pour son père, ce n'était pas ses enfants le plus important, mais leur fortune. Plus encore, il s'agissait de contrôler la vie de McCauley dans ses moindres détails. Contrôler la vie de McCauley, contrôler la mère de ses enfants et contrôler tout Hollywood. Kit a donc dû renoncer à ses droits sur ses enfants et n'a plus jamais reparlé à McCauley depuis.
Kit Culkin a également acquis une horrible réputation dans le milieu. Tous ceux qui ont travaillé avec lui ont une anecdote glauque à raconter. Tout le monde. Pendant ce temps, McCauley n'a qu'une envie, goûter à la vie d'un enfant de son âge. Il s'inscrit alors dans un lycée et entreprend de vivre sa vie comme il l'entend, mais il n'en a pas vraiment fini avec les problèmes. La drogue et l'alcool l'ont rattrapé, et apparemment le mariage aussi. À l'âge de 17 ans, il a épousé l'actrice Rachel Miner, mais leur union n'a duré qu'environ 4 ans. En 2003, il était prêt à revenir sous les feux de la rampe en apparaissant dans un film biographique, Party Monster, mais les critiques n'étaient pas au rendez-vous. Le film a à peine rapporté 1 million de dollars pour un budget de 5 millions de dollars. Ok, tentons un autre essai. Son film suivant, Saved, était plus un rôle comique secondaire et a bien mieux marché, mais juste au moment où la roue semblait tourner à nouveau pour lui, McCauley a été arrêté pour possession de marijuana, de Xanax et de clonopin. Il a cependant insisté sur le fait qu'une fois de plus, les médias avaient exagéré son arrestation de façon complètement disproportionnée. Il a ajouté aussi qu'il n'était pas non plus un drogué à l'héroïne comme les médias souhaitaient le dépeindre. Après avoir divorcé de Rachel en 2002, il a entamé une autre relation avec Mila Kunis, qui est restée extrêmement privée. Ils sont sortis ensemble pendant 7 ans, mais on les voyait à peine. Demander à Mila de l'épouser n'était pas la partie la plus compliquée. Le plus dur, c'était qu'elle rejette carrément sa demande en mariage à chaque fois qu'il lui faisait. Oui, j'ai bien dit à chaque fois. Leur relation était sur le déclin, tout comme la vie de McCauley lorsqu'il a appris que sa sœur aînée, Dakota Culkin, avait été renversée par une voiture alors qu'elle se promenait à Los Angeles. Les conducteurs ont fait de leur mieux pour l'aider, mais il était trop tard et elle a succombé à ses blessures à l'hôpital. Comme on pouvait s'y attendre, cette perte a anéanti la famille Culkin. En plus du deuil de sa sœur, la relation entre Mila et McCauley a également été mise à mal. Ils ont donc mis fin à leur union, et Mila sera la première à vous dire qu'elle n'était pas la meilleure des petites amies. Leur séparation a été horrible. Elle a laissé entendre qu'elle avait trompé le pauvre McCauley, et que la relation ne lui apportait tout simplement pas ce dont elle avait besoin. Pendant ce temps, il était plus qu'évident que McCauley traversait une période difficile. Il perdait du poids plus vite que 50 Cent pour ce film que personne n'est allé voir, et semblait complètement à côté de la plaque. Très vite, les problèmes sont revenus frapper à sa porte. Le King lui-même a été déclaré mort en 2009, et si vous aussi vous avez du mal à digérer la nouvelle du décès de Michael Jackson, alors imaginez ce que cela a été pour son meilleur ami. McCauley a eu le cœur brisé et raconte qu'il a beaucoup consommé de drogue à cette époque. En 2016, le Daily Mail a mis la main sur Kit Culkin qui a déclaré que son fils, McCauley Culkin, n'était désormais plus son fils. Après avoir perdu la garde et le contrôle de tout l'argent de McCauley, Kit a emballé ses affaires et s'est installé dans l'Ouest, où il vit avec sa femme Jeannette depuis plus de 20 ans. Se remettant d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2014, Kit ne quitte pas beaucoup cette petite maison, pas plus que sa femme qui, elle aussi, serait en train de faire face à une maladie. Il doit se faire livrer ses courses et une aide-soignante lui rend visite une fois par semaine pendant quelques heures afin de s'occuper de ses besoins et de ceux de Jeannette. Un an avant l'AVC de Kit, son fils McCauley s'est installé à Paris, où il est resté 4 ans et a vécu sa meilleure vie. Les gens le reconnaissaient, mais ne se souciaient pas qu'il soit un acteur célèbre. Ils le traitent comme s'il était l'un d'entre eux, chose à laquelle McCauley aspirait depuis longtemps. Il rêvait aussi d'être aux côtés de sa femme, Brenda Song, mieux connue sous le nom de London Tipton dans la série Disney Channel, La vie de palace de Zack et Cody. Après s'être rencontrés sur le plateau de Changeland en 2018, les deux se sont étonnamment entendus, se sont fiancés et ne se quittent plus depuis. Et bien que traumatisé par son enfance, McCauley n'aurait jamais pensé avoir lui-même un jour des enfants. Pourtant, en 2021, Brenda et lui ont accueilli leur petit garçon Dakota, nommé en l'honneur de sa sœur. Et oui, il faut parfois une personne pour vous redonner de l'énergie, et pour McCauley, cette personne, c'était Brenda. Il a commencé un autre podcast, a tourné dans de nombreux films et est même apparu dans American Horror Story, dont la 10e saison a reçu des critiques positives, son personnage devenant rapidement un favori parmi les téléspectateurs. Sorti de la clandestinité, il s'est réouvert aux interviews publiques et a participé à plusieurs podcasts tels que celui de Joe Rogan, tout en restant très actif sur les réseaux sociaux. Sa vie n'a pas été facile, loin de là, et son fils ne rencontrera peut-être jamais son grand-père. Mais McCauley est reconnaissant de la façon dont sa vie se déroule. Son nouveau rôle de fiancé et de père est le meilleur qu'il ait jamais interprété. Et pour son père, eh bien comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Et vous, êtes-vous surpris par le passé de McCauley Culkin ?
N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt !